Viens avec moi dans une journée cosy, sur Fortinet. Avec le Chevrolet Trax. D'un spot historique jusqu'à mon secret mieux gardé pour une vue imprenable sur Montréal. Salut, je m'appelle Flore. Très excitée aujourd'hui de te montrer comment tirer un maximum de ta ville. En tant que journaliste et créatrice de contenu, je suis toujours à la course. Alors c'est nécessaire de me garder des journées axées sur mon bien-être. Je sais, le vieux Montréal, c'est touristique, mais les années passent, puis moi, je me tanne pas. L'architecture, c'est tellement beau, le fleuve juste à côté, ça, c'est apaisant, puis il y a toujours une belle offre de quartier, de boutiques à découvrir, et ça, ça me fait franchement plaisir. On va se le dire, manger un repas sain qui est sans compromis sur les saveurs, ça, c'est satisfaisant. Mais quand je veux vraiment me faire plaisir, ben je prends le temps de manger mes repas savoureux avec une vue. Et là, l'endroit où je vous amène, vous allez voir, ça vaut le détour. Ici au parc de Dieppe, on est tellement proche de l'action. Puis pourtant, il y a un calme qui règne, là, qui est comme une pause de la ville puis toute la frénésie. Il y a quelques surfeurs, des gens qui sont relax, mais c'est comme si j'avais la ville à moi toute seule. Prochain arrêt, le Scandinave Spa. Et là, c'est le temps d'installer l'ambiance de détente. Chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de prendre une bouffée d'air pour la première fois. Ça fait tellement de bien. Quand je fais le circuit d'eau, je me sens tellement détendue. J'oublie que je suis en pleine ville. Ici, il y a un bain froid, un sauna, un spa entouré de pierres. Ça lui donne beaucoup de caractère. Quand vient le temps de prendre soin de toi, n'oublie jamais ces petits plaisirs-là qui te procurent de la joie. Moi, c'est comme ça que je m'approprie ma ville.